Haïtien, comment c'est calégé sous Dominique qui a maltraité compatriote dans le pays Dominicani. Mais je dis là, un gros match organisé. Côté que, gan pile participants, manifestants qui étaient dans le match ça, mais loi de sa ligne, ils ont commencé à monter, ils ont voulu faire un poté bourré sous ambassade pays République Dominicaine en Haïti. Mais qui est nous, qui met à spil pétrole lui-même, qui fait qu'on est quel que soit côté le croise en Dominique sur territoire national là, la batli, la souke. So konnen m konnen an de tripli. En tout cas, met aspil mag lo pat ki be bon an bouche li an koute. Hey yo, se ka pase la, mwen men met mag lo aspil. Mwen kondane, se ka pase, a yise le pey m nan. Map tou disa, kwalkye an momento, yo enkantro, un Dominicano, e la kaye, map tanle. Ma pour tuer, ma bâti. Quoi qu'il y ait là, un Dominicano, et la caille, des portes principales, ma femme, ma pédacé, l'homme, cela veut dire que, n'importe qui moment, je trouve un Dominicain dans la rue. Ma patrie, même si, ma patrie, pour moi, est-ce que le policier s'en va arrêter? Ma boue, est-ce que le commissaire la foutre va arrêter? Ma boue, qui est-ce que va arrêter? Ah! Ah! Ça va priver le pays, non? Ça fait mal à des haïtiens. Parce que nous avons occupé ce pays pendant 25 ans. Oh, ça va passer le pays là. C'est nos dirigeants, c'est mauvais dirigeants. Voleurs, assassins, kidnappés, qui crasent le pays. Là. Donc, nous dans cette situation ça. Oh, moi-même, m'a dit merci Américain, merci Canadien, merci le pays. La France, c'est yo qui mettait vagabond dans tout le pays. Là. Qui peut occuper pays. Ou pas ouais, ça qui arrive juste là, ils ont pris un pouvoir dans main, ils ont fait des lits. On est américain, je ne guette pas maman américain. Pas du américain. Je ne vais pas foutre plus de visa américain. Je ne vais pas faire ça, le visa, je ne guette pas maman canadien, pas du américain. Je ne guette pas maman la France. Regardez, c'est bien. Américain est également. Yvon Ellis, Ayan Henry, qui finit tuer Matéli, c'est assassiné, il dit mettez les doigts. Oh, pour qui ça? Même les Américains qui viennent prendre Yoyo, même les Américains qui viennent prendre Kip Philippe, même les Américains qui viennent prendre Yoyo, pour qui c'est pas que nous avons prendre Matéli? Dans la débat. Oh, moi-même, Ayan Henry, pour y arrêter Matéli, il va capable. Arrêtez Matéli! Arrêtez madame, le pays va craser ensemble. On se cap dirigé. M'a dit merci américain. Oh, ce pays a besoin d'une révolution. En France avance. En moi-même. Mais ouais, pas de haïtien. Pas tout pays a t'a bloqué. Pas tout pays a t'a campé. Ou pas ouais. L'IPM. Ou pas ouais. Quel leader politique. Ou bah ouais, qu'un groupe social en lui-même, moi-même, en tant qu'avocat, le pays a fait pour moi-même. Ma avocat, mes comptables, mes comptables pour me dormir, mes pas manger, mais, à tout le monde, si le pays a un problème, c'est pour me défendre. Moi, je me dis, effectivement, que mes condamnés, ça passe, et tu me dis, vive la révolution! Vive la révolution! Vive la révolution! Mais nous, la police va quitter nous vivre des ambassades. La bonne a délivré message. Non! Regardez! Ambassade, nos pays sont envahis. C'est considéré ce territoire dominicain qui est pour l'ambassade. On va causer personne pour pouvoir passer là pour aller côté ambassade. Mais est-ce que. Non! Est-ce que nous campons là? Non! Est-ce que nous campons là, nous mettons un message là, que c'est fini. Moi, je dis que ce sont nos frères qui sont là. C'est frère par nous. C'est frère par nous. Oh, qui a approché eux?
Je ne vais pas parler, mais on va foutre contre ce qui est passé dans la vie. Ça va prendre ce qui est passé. Il n'y a pas de mari à Ariel. Je n'ai pas de mari à Ariel. Non, non. Je n'ai pas de mari à Ariel. Regardez. Un mari à Ariel. Et Américain qui fout le médaillé là. C'est Américain qui met le médaillé là. Et la police, non. Non. Monsieur, il y a souffert de nous. Je veux souffrir de nous. Et ma foutre contre toi-même. C'est frère. C'est simple. C'est vrai. Déclaration mettre Aspil Magloire qui lui-même t'es campé en canson fait quel que soit côté le croisé dominicain l'a fait bois pour lui fanatique Joe Canel journal 9 mais qui den dou tout grand pilote manifestant qui était dans marche ça qui organisé pour dénoncer traitement président dominicain lui-même la baye haïtien en république dominicaine faut nous dou en pile là dans te veut porter bouer dans ambassade là mais la police était opposée à ça ça qui te mettait en colère mais qui gens satire fanatique Joe Canel journal 9. Nous respectons la question de diplomatie entre ambassades. Jodi, ce n'est pas manifestation, nous venons faire. C'est une marche. Marche-là, nous venons porter solidarité ensemble avec frères, ensemble avec sœurs, cousins, étudiants qui ont cherché la vie, petit monde qui a étudié, qui a meublé connaissance. Je ne dis pas,
nous garder nous qui ensemble de pas comprendre la police est tellement instrumentalisée, li instrumentalisée dans tout niveau net. Qui j'en comprends, nous-mêmes en tant que peuple, qui vient faire mécontentement nous passer à travers peuple et à travers l'État dominicain, qui sont l'État raciste, qui sont l'État anti-noir, qui sont l'État qui voulait que, qui sont l'État qui a maltraité peuple haïtien qui a cherché la vie, peuple haïtien qui a étudié la caillou. Je dis, nous venons pour nous dire devant l'ambassade, nous pas d'accord, chanter, j'apprête nous. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, en tant que porte-parole, Mokap, mouvement gardien peuple-là, nous venons pour nous dire pour ça que la convention qui signe la question des peuples, qui dit pour ça que, mais comment pour nous vivre, mais comment nous devons respecter l'autre. Nous avons gardé, nous sommes peuples dominicains, nous sommes l'État dominicain, c'est l'État anti-noir, c'est l'État. Qui n'est pas d'accord pour le peuple dominicain, pour le peuple haïtien, fin, grandir économique, nous-mêmes, parce que là, nous-mêmes, en tant que peuple, nous déplaçons en République dominicaine, c'est grandir la grandir économique dominicaine. Bon, je n'ai pas d'accord. C'est peut-être ça, je dis. Nous disons ça que nous venons là pour nous dire ça, à pas pour le racisme, à pas maltraitance, à pas sacrilège, à pas répression que le gouvernement Abinadel raciste, le gouvernement corrompu qui a fait sous masse défavorisée. C'est toute raison ça qui cause nous venons là pour nous dire nous pas d'accord avec répression du gouvernement dominicain. Qui oublie que c'est nous-mêmes haïtiens qui gouvernent pour l'indépendance, nous sommes en liberté. Je dis à la Abinadel va prendre le pays haïtien pour faire passer la misère comme ça. Nous voulons que nous acceptions une déportation, mais il faut respecter les normes internationales, il faut respecter les droits internationaux humanitaires. Ce n'est pas bon pour déporter les haïtiens dans conditions ça. Nous menons que Ariel Henry, qui est le gouvernement Laurent Kaléa, qui est le gouvernement Laurent Kaléa, pour prendre responsabilité pour faire Abinadel pas déporter haïtiens dans conditions ça. Mais ce sont dénoncé ces actes racistes avec des actes xénophobie qui ont fait sous le peuple haïtien dans la République dominicaine. Merci en ville. Voilà, c'est comme ça des manifestants qui étaient au même mauvais coup Kong dans match ça qui était organisé jeudi là pour dénoncer traitement ben autorité dominicaine y a bail des sans papiers haïtiens que y a déporté sans droit ou pas respecté yo violé droit yo faut nous dou pratique Dieu Canel journal 9 dans manifestation ça tout dans marche ça te gen moun qui t'a dénoncé insécurité dans pays qui t'a dénoncé Ariel Henry qui son pouvoir tchoul d'après ça ou fait connait on pouvoir qui pa gen nen nan figil et mettre professeur Camille Chalmers lui-même il était parlé dans sens ça avec autorité yo en coudel Carlos Grouillon jodiant nous même force rétrograde yo même force impérialiste yo paré pour yo capable bloquer rêve démocratie peuple haïtien yo paré pour yo capable bloquer tout progrès dans pays et jodiant nous dans une situation extrêmement grave. Non seulement ces forces réactionnaires qui continuent de gouverner pays, les forces réactionnaires ça qui ont fait alliance à la classe dominante dominicaine pour être capable de peser coups travailleurs à travailleurs haïtiens. Ce qui a passé aujourd'hui dans leur frontière par un nom, c'est chaque jour il y a maspiné frère Axel. C'est chaque jour il y a battu. C'est chaque jour il y a persécuté. Il y a vivre avec la peur dans votre. Et quel que soit yon ancêtre, quel que soit ces petits mouns, quel que soit ces vieillards, yon tout en bas bâton ces domaines. Ambiance qui est là aujourd'hui, c'est même ambiance qui est préparée massacre 1937. Côté que nous avons gouvernement la haute, gouvernement Vincent, qui non seulement pas de protester face à massacre, mais qui a accepté aux 750 000 dollars, soi-disant, pour dédommager pour massacre. Ça qui était représenté 4 dollars par tête haïtien ou touillé. Je dis, nous voyons que le régime PHTK n'a même continuité, l'État reste avec, l'État joule, l'État qui a craché sous tigre des peuples haïtiens, l'État qui ne peut pas défendre les peuples haïtiens, mais qui est allié avec l'ennemi des peuples haïtiens. Donc nous rassemblons, je dis,
dans la marche patriotique ça, pour nous capables de dénoncer l'exaction qui a fait en République dominicaine contre frère avec soeur Nouyo, pour nous dénoncer violation de droit de l'homme, pour nous dénoncer crime contre l'humanité qui a fait chaque jour en République dominicaine, et pour nous dénoncer toute complicité du gouvernement haïtien, complicité de l'État haïtien, qui non seulement pas ramassé l'indignation qui traverse le pays, mais qui campait face à un peuple haïtien pour être capable de débloquer frontières en faveur commerçants dominicains, en faveur investisseurs dominicains. Ce qui a passé aujourd'hui soulevé l'indignation. Et nous-mêmes nous disons, peuple haïtien, frère et soeur nous qui sommes dominicains, nous pas pitimis en gardant. Nous avons un peuple qui campait, un peuple qui campait avec force, avec valeur dessaline. Nous un peuple qui campait avec force, valeur, tout esclave qui te bataille pour racheter l'indépendance. Et je dis, c'est même bataille-là nous besoin de faire pour nous capables de sortir du pays dans la honte, pour nous sortir du pays dans l'humiliation, pour nous sortir du pays dans la salle-là. Je dis, nous devons ramasser le caractère nous pour nous dire non à la honte, non à l'humiliation, non à craser les autres contre le travail haïtien. Vive l'indépendance, vive souveraineté, vive fraternité en tout peuple caraïbio qui décide de vivre dans le groupe des peuples grand monde et qui décide de sortir en bas de votre pays impérialiste. Vive l'unité de tout peuple qui a bataille. Déclaration professeur Camille Chalmers dans Machsa pour dénoncer maltraitance autorité dominicaine y a fait des compatriotes haïtiens passés en République dominicaine côté a déporté dans des conditions que les droits pas même respecté et dénoncer tout comportement autorité haïtienne qui paraît rester avec qui paraît toujours tête baissée devant autorité dominicaine pas fait rien pour dénoncer ça qui pas fait rien pour défendre droits compatriotes nous y a passé en bas pied en République dominicaine. Donc haïtien commence à frapper bien à terre sous façon République dominicaine ni même la comporter par rapport à compatriotes nous l'autre bois en République voisine. Ou konn formule déjà, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça après quelques secondes pour faire ça, cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagay neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information sans camper journal 9 à faire dans tout pays. N'a pas campé là avec vidéo ça.